Amis auditeurs de Radio M, bonjour, marhaba bikoum min jadid fi adad jadid raqmuhu 96 min hissatkoum marana sakteen. Il nous a fallu beaucoup, énormément de temps et de la patience pour pouvoir, mettre des visages sur, sur des micros et commencer cet épisode d'aujourd'hui de Marana Sakteen. اليوم بون سبب سبب كل هذا هو الانترنت يعني يحدث الان في الجزائر عام 2020 تم قطع الانترنت عن كامل بلاد باكملها حتى يمنع الطلاب من طلاب البكالوريا من محاوله الغش في الامتحانات هذه كورا اونلاين كي فيان دو بوبليي سا دونك voilà on va parler d'internet des épreuves du baccalauréat qui ont commencé aujourd'hui qui vont se dérouler sur une période de 5 jours. Une période de 5 jours durant laquelle nous n'aurons pas d'internet, du moins pendant toute la journée. Nous, on est, en tant que médias, on n'a pas pu bosser, on n'a pas pu travailler. Et on peut extrapoler sur, des milliers et des milliers d'entreprises qui utilisent notamment dans les assurances, par exemple, qui sur utilisent l'économie en général. Hein. Toute l'économie en général, oui, on est en 2020. Nos responsables qu'on est en 2020. Et que Internet est primordial pretty much pour to everything. يعني. Bonjour Amira Boujmaa. Bonjour Kamel Moutatabia Radio Maran Sakteen. Bonjour Amira. Marhaba bikoum fi 02-28-74-45. Appelez-nous. Vous يمكنكم aussi يمكنكم ايضا المشاركه عبر le live عبر المباشر الفيسبوك اللي راهو en ce moment diffusé. Vous pouvez commenter, vous pouvez nous appeler aussi sur le 021-78-24-45. Partagez ce live. On le dira jamais assez. D'ailleurs, on le dira à chaque fois. Des classes ou l'atelier, une formule. Pour vous rappeler qu'on est censuré et qu'il nous faut votre soutien, vos partages pour subsister, pour exister, parce que nous n'avons pas le droit de toucher des publicités, parce qu'on dit la vérité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre vérité qui est une vérité qui fait mal. يعني كيفاش نقدر نقطع انترنت على بلاد باكملها tout ça يعني pour entre guillemets, empêcher les élèves ou les étudiants de tricher l'examen du baccalauréat en sachant que les téléphones t'hamin holom à l'entrée de l'école. Oui, Amira. La question que je me pose, qui fait chier ni irtisad bladga économie gar matenqas inqitaa l'internet. C'est la question que je me pose. Mais non, non, t'enqas. T'inquiète pas que t'enqas. J'ai pas trop l'impression. C'est que ça passe normal et sur le ou l'état d'ajadia parce que c'est la troisième année je pense où ils coupent l'internet la période تاع امتحانات البكالوريا شرزت تقول لي لو سون تاعي ماشي الحق مليح et c'est la première c'est fois surtout normal ما فهمتش كيفاش الناس يعني تعايشوا مع هذا الوضع وكيفاش يعني الاقتصاد ما راهوش يتاثر بهذه الانقطاعات. Et c'est surtout la première fois les tsara fi el Jazair el Jadid comme قال لي واحد مقبله الجزائر الجديده بقوالب قديمه parce que voilà قال لي انا personnellement مانيش نشوف كامل الجزائر الجديده غير نشوف يعني المعاملات ولا les agissements ou les techniques j'allais dire politiques qui sont utilisées pour gérer la nouvelle Algérie رانا نشوفو يعني غير في القوالب القدم c'est هذا القالب هذا ان صح التعبير كان جا من عند Houda Imar Fanaoun, voilà l'ancienne ministre des télécommunications. Donc voilà, cher Kouna fi hissat liom, c'est Frohdi Achet, ministre Ben Arbachet, Nibdaou, bien sûr, on a قسنا نبض الشارع في اتجاه الموضوع هذايا سقسينا des élèves du baccalauréat. On n'a pas vraiment eu يعني, des témoignages d'étudiants parce que كانوا كامل stressés, ils étaient برا, كانوا يفطرون en même temps كانوا يريفيزيو les révisions de dernière minute, on connaît tous, hein, on est tous passés par là. Et on a aussi questionné. C'est déconseillé d'ailleurs. Hein, pardon? C'est déconseillé de réviser juste avant l'examen. Si tu n'as pas. C'est déconseillé pour ceux qui ont déjà révisé. Mais pour ceux qui ont déjà révisé, oui, mais ils ont quand même eu le temps de réviser. Hein, oui, mais pour ceux qui m'analent, ils ont révisé. Mais tu vois, c'est un mauvais exemple. Franchement, ça marche. Il a comme un esprit vif, ça marche, ça peut marcher, mais bien sûr que c'est pas, ça va. Yani, les informations à Doma, elles sont pas faites pour durer dans le temps, dans notre mémoire. Yani, il faut savoir que notre mémoire, surtout.
Surtout à diète à la dernière minute. La mémortana n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour être remplacée à chaque fois. Ben, chez le subconscient, il garde les dernières informations qui sont le plus utilisées et qui vont travailler avec le subconscient qui gère 95% min l'af'al la iradiya ta'na. Donc voilà, on va voir le chari, le raï chari al-jazaïri dans le sujet de l'aujourd'hui. On va vous parler avec vous. C'est صعبة كيما لي باك لي فاتو كيما رويان دو سبيسيال ما بدلونا والو ولا صافي سيت ما دخلناش نقرا وكاع شغل سي با فاسي تقرا في كونفينمون نو لا لا ماشي ما كاش لازم يقطع الانترنت لو كان يحاولنا تليفونات سيك سي با بوسيبل نكوبي سما ما كان كاين انترنت ولا ما كاش سي كيف كي يقطعوا خير انا نقول لك كي يقطعوه مليح باش الناس تقرا خاطر لو كان يبقى شاعل ما يقراوش يبقاو نهار كان برونشين فيه وهذا الباك هذايا كيما يقولوا انسان راح يجوز الباك ما يجيبوش واقع لازم يقطعوا انترنت لازم دبا راسك لازم واش قيت هذا العام واش قيت هذا العام عام كيما يقولوا عام كومبلي انت دبا راسك بهذا الباك هذايا لو كنت ولا ما قيت عام كامل وتحمتي بالباك ويقولك انترنت ام قطعونا هو ما دبي كوبي وي حاجه مليحه كي قطعوا الانترنت بونيدي باسكو هادي الانترنت يسوا ولا فايس كاين اللي غش وكاين اللي كدايا كي شايفه بونيدي داروا عفسه مليحه هادي الصبح هادي لمسين بوند لي بوليس بوند فشكرت وكان دي قدركش من 11 دقائق المسين سمعت حدايين بوليس ذاتي بوليسين يبي دشكر لك ماماس سمد لا كاميرا اكني نتبص اكني تدخل انا استحي الدير جديده ورا انا استحي الدير جديده نتبول دخل لنا 11 دقيقه صار دم ديال الكمامات فهمت قلت بوليس ناس ما داير ما داير راح انا غسيتي طمن ونات كمي قرد الجن غتفكم اذا قر سبعه ما بسيودهم كل شارده ابن قدم دار طوم بالناس اذا قرت غد ما طوم ناس بالك كان يد صورت الحاجة قالتكم وين راهي الجزائر الجديدة على بارلي اوسي دو كيك شوز كو هي شافتها يعني بام عينيها اسكو تو بو نو راكونتي سا اميرا توا كي كومبرون ميو كو موا لو كابي قالت بلي لحقت جوست مع بداية لي زيكزاما قدام ان سونتر ديكزاما اي لا بوليس كانوا رافدين دي ساك تاع لي ماسك لو طون لي يجيو الصحافة يوريو تو سا مع 10 دقائق من بعد كي راحت الصحافة اي با الشرطة رفدت لي ساك تاع لي بافات وعلى حد قولها وراحوا دونك طونك سي با فيلمي دونك يا با دو بافات ils ont pas vraiment distribué de bavette, ils ont juste séance de shooting photo pour nos amis policiers. نحن نسمعوا مقطع موسيقي غناوي هذاك اللي يحل يحملنا شويه البندين نخليكم تخموا شويه في موضوع اليوم وتخموا باش تعيطوا لنا في 011 72 24 45 بعد ما تبارطاجيو لو لايف تاعنا باسكو سي تري امبورطون دو بارطاجي نو لايف. وي السونداج لا كيسيون دو جور اي pourquoi y a-t-il autant de fraudeurs à l'examen du bac. Première proposition, à cause des nouvelles technologies. Deuxième proposition, le bac ne vaut plus rien. Troisième proposition, les surveillants sont complices. Et quatrième proposition, ou la quatrième réponse, la fraude est devenue une valeur sociétale. نعود بكم من جديد في استوديو راديو ام استوديو مارانا ساكتين ابليني سور لو 021 78 24 45. اذا كنتو يعني طلاب راكو تجوزوا في امتحان البكالوريا عيطوا لنا يعني نتبادلوا معكم نشوفوا يعني نقيسوا معكم حراره اليوم اللي اسكو حسيتوا بها ولا لا ماشي الحامه مانيش نحكي على حراره الطقس يعني نحكي على نبض كش يقولوا جس النبض يعني تاع الامتحانات تاع اليوم واش صار في الله ليلى كنت انت كاي مواطن قلنا كيفاش تاثرت بانقطاع الانترنت اسكو تشوف بلي انت هذا هو الحل الوحيد باش نمنعوا الغش لا فرود في لي زيكزامان دو باك ولا لا كاين سلمى جبار تقول il manque une proposition اي تهضر على لو سونداج اي تقول لو باك est encore trop difficile à décrocher en Algérie ailleurs on fait des rattrapages qui aident l'élève et on rachète à partir de 9 sans parler de la connerie de la moyenne pour choisir sa filière à la fac. Et ben je pense pas que ailleurs on fait des rattrapages hein, je sais pas où win c'est appliqué mais en France c'est appliqué au bac. Pour certaines, je suis pas spécialiste, mais pour certaines, pour certaines épreuves du bac, qu'il y a une rattrapage. Le bac pro, je pense, machin. Wallah malabalik,
دونك فوالا عيطونا 021 78 24 45 لو كان ما تعيطوناش نقعدوا غير انا وامير نقصروا بيناتنا اي سا نا با سونس يعني سورتو كون ا يو لو باك يا تري تري لونتون دو سلا enfin pour moi il y a très longtemps pour Amira c'était juste hier donc appelez-nous 021 78 24 45 انا نسناو في لي زابيل تاعكم نروحو نكملو نسمعو شويه موسيقى مع نوتر امي ومحبوبه تاعنا امال زان اي اون ريفيان توت سويت ابري نعود بكم من جديد في استوديو راديو ام استوديو مالانا ساكتين كما قلنا اليوم مع اميره سي لو ديبي دي وي كاين 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 انيس بني كي دوموند است كي بو نوز ابلي دو لترونجي وي وي فوز ابلي 20213 نيميرو اي فون فو رابلي 20213 21 78 24 45 après غير يرفدوا لك يعاودوا لك كوم سا سي نو كي بايون le prix de l'appel. Donc aujourd'hui, ont commencé les épreuves du bac en Algérie. Plus de 637 000 candidats scolarisés et libres répartis sur 2261 centres d'examen. Entament donc du coup aujourd'hui les épreuves du baccalauréat session septembre 2020 qui s'étaleront sur 5 jours. Donc le nombre de candidats inscrits, c'est là qu'on a 37 538, dont 413 870 candidats sont scolarisés et 223 668 candidats sont libres. Donc ils seront encadrés par 192 300 enseignants répartis sur 226 centres d'examen. On a lieu masqueena les élèves, quelques élèves en question. On a l'amchakuntu par classe. On était entre 15 et 20 par classe. Donc voilà, je pense que c'est très bien. Et année, c'est de très bonnes conditions dans lesquelles ils peuvent passer les examens. Ils n'ont pas les téléphones. Il y a احتياطيات يعني لعزل الحالات المشتبه فيها اللي يكونوا عندهم دي سيمبتوم دونك خصت وزارة التربية الوطنية قاعات امتحان ومراكز خاصة احتياطية يحطوا فيها المرشحين باش يعزلوهم المرشحين اللي عندهم يشتبه في إصابتهم بوباء كورونا voilà trois profs ou la trois personnes qui sont là pour justement باش يعزلوا et pour veiller à ce que les épreuves se passent dans de très très bonnes conditions. Donc voilà, on comprend pas énormément pourquoi on doit couper internet pour tout un pays. Moi je trouve ça je trouve ça disproportionné comme mesure. قولونا نتوما يعني الراي تاعكم باسكو الراي تاعي هنا اون سون فو ان بو عطونا الراي تاعكم نتوما اللي يهمنا احنا هذا واش يهمنا اليوم وكسائر يعني كباقي اعداد مرانا ساكتين ابلينو سور لي 021 78 24 45 باسكو سينون فوالا جو في دوفوار بارلي جوسكا لانفيني اي جي با ترو انفي دو فير سا يا اميره نعطيك الميكروفون دبري راسك عيطوا لي سورتو بارطاجي لو لايف تحت فيسبوك اي فوتي تحت في لو سونداج تاع اليوم دونك فو فوتي باش هكا نعطيو لكم نعطيو الراي السائد في اخر عدد اليوم لا دي جي اس انا قال لك راه يحكي لنا على ايامات الباك تاعك فرانشمون سيتي مانيفيك جوستون في بولكين سي دو تري تري بون سوفينير بولكين دوكا باش واقيلا مغلوق بولكين سكيفو سافوار بولكين اون بارتي دو تاع ليبيا كان سكن فيها واقيلا الدي حسين دونك دوكو يا في دي باساج سكري يا في سي دو تري تري بو ليسي دوكو وبكري كانوا فوالا كانوا عايشين فيهم لي نوبل ترك اي دوكو كاين سي تري تري سبيسيال يعني وانا اوليو في لي بوز كنت نلقى روحي نروح نحاول باسكو جام تو سكي فوالا tu sais Amira tout ce qui est lié à tout ce qui a attrait à l'histoire à la nature et tout donc nous essayons de nous chauffer dans les passages secrets au lieu oui au lieu de réviser à la dernière minute retour un peu au sérieux. Je sais pas, il y a un retour sur le micro tel, je sais pas pourquoi. Est-ce que tout va bien chez toi Abdallah Ben Adouda il dit Boulkine la sorfi d'Arna. Tout s'explique alors, tout s'explique. D'où les passages secrets. Déjà, quand tu as parlé de ce temps, déjà, Abdallah Ben Adouda, salamu alayhi, bel bezaf, Abdallah Ben Adouda.
et toute sa famille, toute son honorable famille. Donc, je suis là le dispositif policier, le plan qu'a mis en place la DGSN prévoit la sécurisation de 2147 centres d'examen répartis au niveau national. Donc, les centres d'impression, le compostage et de correction, outre l'accompagnement de l'ensemble des mesures préventives adoptées par le ministère de l'Éducation nationale, un policier a été dépêché pour cela. Alors, 15 379 policiers à travers tout le territoire national ont été dépêchés pour assister justement au déroulement, au bon déroulement de ces examens durant ces 5 jours. Est-ce qu'on a un mot à la Merci, Mawar Hamoun. L'an dernier, j'étais là à cette période et oui, jamais vu ça dans le monde. Très bloquant pour tellement de secteurs dingues. 021 78 24 45 كامل المتتبعين تاعنا ويقولوا لي هذوك اللي يقولوا لي واه نو اوني يعني حنا نتبعوك ونحبوك وكامل تحبوني راني دون ان مومون دو سوليتود عيطوا لي سينو جو كومبروندري توت سويت كو ما تحبوني ما والو غير الخرطي ولا لا طارق تحبونا عيطوا لنا 021 78 24 45 ما تخافوش اميره بوجمع كلات اليوم دونك تعدات بيان Donc elle est super tranquille. Aujourd'hui, elle est choquée aussi. Bon, il faut bien que je remplisse. Il faut bien que je fasse du remplissage. Donc non, plus sérieusement, appelez-nous. Voilà, ça nous intéresse de savoir votre avis. Surtout si vous êtes directement ou indirectement lié aux épreuves du baccalauréat. Kounashuya, comment ça s'est passé? Et comme ça va me permettre de me reposer un petit peu. On se met en musique. On a de nous l'oum akoum tout de suite après. On est de retour avec vous sur le plateau de Radio Am, le plateau de Marana Sektin où l'achetna mukalama hatifia donc bdaou ybanou chkoun yhabna chkoun yhabna les vrais aficionados et le premier et l'un des premiers aficionados c'est bien Walid MJ et il nous le prouve aujourd'hui encore une fois. Bonjour Walid et merci d'avoir appelé. Bonjour à toi Hamza, bonjour Amira. Bonjour Walid. Comment ça va Walid? Comment allez-vous? Ça va. On a attendu toute la journée. Al khamsa nas rahet l dar w hna mazal ma bdina l khadma tana. Un coup de chauffe, méché, parce que tu sais, il y a des tricheurs dans un pays de tricheurs et d'hypocrites. Il y a des tricheurs. Exactement. Il faut bien, franchement. On pénalise 44 millions de citoyens pour 260 000 bacheliers. Un peu plus. Je crois qu'il y en a 600 000 qui le passent aujourd'hui. 600 000, carrément. Mmh. Je vais te donner les chiffres exacts. Attends. Mais oui, mais même si c'était 200 000, 100 000, 1 million, ça se justifie pas. Hein, on peut pas. 637 538 étudiants qui passent le bac, dont 413 870 sont scolarisés, le reste le passe candidat libre. En candidat libre. Eh bien, écoute, un peu offert. Hein, on espère quand même qu'ils vont avoir. Il n'y a pas de souci. On est tout cœur avec eux. Mais qui bloque tout un état pour ça, c'est... C'est incroyable, Yann. J'ai jamais compris ça, encore moins cette année. Ça fait deux fois, trois fois déjà. Trois fois, ouais. Je crois que celle-ci, c'est la quatrième. C'est la troisième année, non. C'est la troisième année, oui. C'est la troisième année consécutive, oui. Je veux dire. Enfin, on est quand même dans un pays qui devrait bloquer autre chose que ce genre que la connexion pour qu'il passe le baccalauréat. Mmh. C'est le grand filtre, Adès Golo, le grand filtre. Écoute, moi je pars du principe où il profite de n'importe quelle occasion pour pouvoir nous montrer que Roma Kullesh. Oui, ils tiennent les vannes. Ils tiennent tout. Ils tiennent la connexion, ils tiennent les journalistes, ils tiennent les avocats, ils tiennent les juges, ils tiennent tout le monde. Ils tiennent tout le monde. Donc c'est une occasion comme une autre de nous montrer que, de nous remettre à notre place en fait, de simples citoyens lambda qui ne servent strictement à rien. De nous rappeler que c'est un état policier surtout. Et surtout que le sécuritaire a battu tout le reste qu'il fallait pour pouvoir nous remettre à notre place en fait. De 6 pieds sous terre, même pas notre place, 6 pieds sous terre. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, Hamza, tout à l'heure, on a parlé un peu aux citoyens dehors. J'ai remarqué que la plupart étaient pour la coupure d'Internet.
On a vu le micro-trottoir qu'on a après, qu'on c'est vient pas, de passer. C'est pas un échantillon représentatif, Yanné, où les gens qui sont venus nous parler un peu, j'avais l'impression que c'est pas les meilleurs utilisateurs de la connexion, Yanné, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que donc je pense pas à c'est pas du tout un échantillon représentatif, mais en tout cas je crois que la majeure partie des personnes normalement constituées qui travaillent et tout ont besoin de connexion. Et puis surtout aussi Hamza, tu sais que il y a des gens qui travaillent en télétravail, comme moi, comme mon voisin, comme un ami à moi, on est en télétravail. Oui. Donc du coup il y a pas de connexion, bah il y a pas de boulot. C'est ça en fait. Tu peux pas te connecter, on t'envoie un fichier si on t'envoie un fichier PDF ou là, un fichier Excel, tu peux pas l'ouvrir. Oui. Ça met vérifier votre connexion, l'email, tu peux le lire. Ils disent que la mais le dossier tu peux pas le télécharger. Oui. Mais le problème c'est qu'ils disent que la coupure concerne uniquement les réseaux sociaux et les applications d'appels et messagerie telles que Viber, mais WhatsApp, non, c'est pas etc. Vrai. Mais c'est pas vrai. On a vu que tous les sites étaient bloqués. Ouais. Donc, mais c'est pas vrai. C'est Belhaimar qui a dit ça. Hein? C'est Belhaimar qui a dit non, ça. Mais c'est chaque année, hein, que ce soit Belhaimar ou avec les ministres qui l'ont précédé. Chaque année, au lieu de laisser la connexion, c'est uniquement la coupure concerne uniquement les réseaux sociaux et les applications de messagerie. On a bien remarqué que l'accès à Internet ça a été coupé, non pas les réseaux sociaux. Il y a une personne qui veut bien leur accorder le bénéfice du doute. Allez, ouais, il y en a qui trichent avec ça. Quand on a les téléphones, il y en a qui ont des smartwatches et des smart glasses. Tu sais quoi aujourd'hui 0,1% de la population. J'ai vu sur l'Ouattan la caricature, le hic, tu oui, sais. Oui. Qui montre le bachelier avec les brigades anti-émeutes et puis les camions à eau, tu sais, t'es à la police. Oui. S'il mettait 4-5 policiers dans chaque centrale d'examen et qu'ils les fouillent, ils leur font des fouilles au corps comme ils ont l'habitude de faire, dans tous les cas, ils savent très bien le faire, ça. Ah, oui. Ils leur font des fouilles au corps, je peux t'assurer qu'il n'y a personne qui rentre avec un téléphone ou là une smartwatch. Ils rentrent, s'il le faut, ils rentrent en maillot de bain. Ils rentrent en maillot de bain dans la salle de non mais même sans ça d'examen. Même sans ça ils font pas yani ou ça mais entre le même mois le même des étudiants qui nous haïfen en plus là ils sont à 10 à 15 ou là non, maximum dire, 20 par classe donc il pas de... vraiment il y a des tricheurs faut pas se leurrer il y a des tricheurs il y en a qui sont prêts à mettre le paquet pour acheter des matériaux et plutôt du matériel audiovisuel pour pouvoir tricher que de réviser. À ce point, il y en a qui trichent avec des smartphones. J'en ai vu des cas, mais ça, je veux dire par là, c'est qu'il y a des moyens d'arrêter la fraude et éviter les coupures Internet. Mais Emira, tu bloques 43 millions d'habitants pour des gens qui sont prêts à investir dans des... Dans tous les cas, c'est des gens qui ne vont pas réussir dans la vie, ces gens-là. Oui. Exactement. C'est des gens qui ne vont pas réussir. Franchement, tu as raison. Allez. À l'époque, quand je me rappelle, je faisais des pompes au collège et tout, comme ça, sur des morceaux de papier. Quand je faisais mes pompes, j'apprenais mes leçons. Je n'utilisais même pas mes pompes. Ouais. Bah, c'est ça, il a raison. Un tricheur ne peut pas. Si quelqu'un arrive à tricher pour pouvoir avoir, je veux dire, c'est le bac, quoi. Le bac, tu arrives à la fac, le bac, tu vas le passer 6 fois dans l'année. Ouais. Et surtout, est-ce que la valeur du bac aujourd'hui... T'es dans la mouise, quoi. T'es dans la mouise. Et après, tu vas te dépenser autant pour pouvoir tricher. Après, il y a des écoles aussi. Pas, hein. Il faut que tu rentres... il faut que tu rentres un dollar, quoi. Et la question que je me pose aussi parmi tant d'autres, est-ce que la valeur du bac est pour le coup sauvegardée, Yanné? Pour moi, j'aurais bien aimé, je ne suis pas partisan de l'année blanche, parce que je trouve que quand même, il y en a qui ont travaillé et tout, mais cette année, depuis le mois de février, mars, il n'y a rien, il aurait fallu faire une année blanche, ce n'est pas grave.
c'est pas grave. Je les aounohom, aidez-les financièrement avec des bourses peut-être un petit peu plus élevées pour l'année prochaine et tout. Juste une pour année l'année blanche, prochaine. C'est pas vraiment une il aurait fallu faire quelque chose. Enfin, non, une année blanche peut-être quand pas. Même. Une année blanche, ça pénalise certains. C'est pas vraiment une aide. Je pense que ça aurait été préférable parce que sérieusement, le deuxième semestre, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé, parce qu'en plus, les sujets, voilà, d'après l'Arabia ou l'Arabia Islamia aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un traitement de faveur. Voilà, donc, Non, ça a été dur. Ça a été dur. Oui. Ok. Ça a été dur dans tous les cas. Ok, super. Merci beaucoup, Walid. Yate comme ça. Merci beaucoup. Continuez, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup, Walid. Merci. Au revoir. Au revoir. معنا مكالمة هاتفية أخرى مباشرة بعد المكالمة هاتفية الأولى أوي حصل فيكم ميكروب تكنيك انتوا ما فهمتوش ما أوي حصل فيكم على on va écouter نعطيكم une petite question est-ce qu'on peut me dire c'est une question que j'ai cherché j'ai pas trouvé est-ce qu'on peut يعني apprécier quand je dis apprécier dans le sens statistique du terme les pertes qui sont dues à l'absence de la connexion internet en Algérie. S'il y a une personne qui peut avoir une approximation, même une approximation, parce que je suis vraiment curieux de savoir, d'avoir la réponse. نحن سمعوا شوية موسيقى نعود نقول معكم tout de suite après. باقي أحباتي في أحباء أوسي وأحبات أميرة بوجمع في استوديو مرانا الساكتين استوديو راديو أم avec nous لامين مغني le journaliste الصحفي مش تحنقول غني عن تعريف ما زال شوية احنا نعرفوه كان بزاف الناس تعرفوه وتحبوه راهو معنا aujourd'hui راهو يستقهوى je pense à l'échauffer قهوة أهلا on s'excuse لامين ديرونجيناك شوية اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل شرف لي اني نكون معكم مع اميره ميرسي بوكو ميرسي لامين الله يبارك فيكم انا ساكتين وانا نتابعها بزاف ان شاء الله ميرسي بوكو لامين عيطنا لك لامين حنا عيطنا لك اتصلنا بك باسكو انت يا مؤسس يعني le média électronique Tariq News. Donc, la première journée de Talbac où il y a eu la coupure d'Internet, qui fait que tu as acheté le fondateur et aussi responsable d'une équipe qui travaille tous les jours. Ben, malheureusement, on a écrit des articles sur le site, mais comme vous savez, les canaux où nous mettons les articles qui nous écrivent, c'est les réseaux sociaux. Bien sûr. Via les réseaux sociaux où nous mettons les articles pour qu'ils nous écrivent. Les réseaux sociaux sont bloqués, donc nous écrivons les gens dans le bien. Durant la journée complète, on a la connexion, je pense vraiment, mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire pour pouvoir publier les articles et tout. Oui. Pour moi, l'homme, c'est un congé forcé, jusqu'à la fin de l'album. Donc, d'accord. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'événements aujourd'hui. C'est-à-dire les événements qui ont été maintenant. Déjà, le premier événement, c'est le bac. Exactement. Donc, il y a eu kif-kif un événement, un site qui interdit les étudiants. D'ailleurs, nous avons la cour d'Alger en solidarité avec Walid Nqesh, il y a eu kif-kif les événements, en fait, les marches, les sauf, la place de la République à Paris, c'est le retour vers le Hayak, c'était en ça, c'est Al-Jalia de Zahiaïa. Donc, il y avait plusieurs sujets, il y a bien intérêté au Amélium, mais malheureusement, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas d'internet, donc on n'a pas travaillé en quelque sorte. On a essayé de s'accélérer, وهل من المعقول لامين مغنين يعني تكون هكا سيرورة الأمور في البكالوريا تكون هكا يعني شاكاني تكون هكا كوبي وانترنت اسكو سي سا لا هل هو هذا هو الحل الناجع والوحيد لمحاربة الغش خاصة انه بما انه عندك ان سيت الكترونيك دونك انت يعني نحاوروك من الجانب الاقتصادي لانه تقعد يعني مؤسسة اقتصادية دونك ان سيت الكترونيك Est-ce que ça pénalise vraiment ou là, balak, طبيعتنا الجزائريين يعني تعودنا على هاد الانقطاعات donc balak ما تأثرش بصفة مباشرة على الاقتصاد بما أنه ما يعتمدش يعني بصفة كبيرة على جودة الإنترنت.
نعم احنا كما قلت كلمه مليحه عودنا على الانقطاعات من قطع الطريق الى قطع الانترنت يعني ما يحوسوش يفهموا جايين باش يعملوا مظاهره مثلا خطاليفه جاوا باش يعملوا احتجاج متقاعدين الجيش خلقوا الطريق ما عاوزوش يفهموا شكون داخل شكون خارج اليوم جماعه راح يجوزوا الباك الوغ سي لا دي سوليسيون قال ما على باليش انا صافي 3 او 4 ans لو بروبليم صافي سو ريبات كانوا قادرين يجيبوا لي بغويور دو شون قال لي توليزيوهم غادي يعودوا راح يجوزوا الباك نعملوا هاد لي بغويور دو شون في واسمو في لي كلاس اللي راح يخدموا لها في لي زيكول اي البروبليم ريغلي ويخليوا الناس تخدم للاسف الشديد هما عندهم ولا تادي جو بونس السنوات الاخيره سي نو انف سي نوفال ابروش اون الجيري سي ان تروك تو ديرونج دونك يفو لو بلوكي تحب تحبس مسيره اغلق الطريق تحبس الغش تحبس انترنت على الناس كاع ما كانش 42 مليون جزائر يجوزوا الباك ما على باليش رقم شحال مي ماشي 42 مليون دونك هما يحبسوا قريب 700 دونك هما يحبسوا على الناس كاع حبسوا كيما تحبس الانترنت دونك سي لي بنك اللي راح يحبسوا سي لي بوست اللي راح يحبسوا سي لي بونكيز ايكونوميك للاسف الشديد هذه نسميها سياسه الهروب الى الامام سياسه الهروب الى الامام ما يحوسوش يلقاو حلول حقيقيه ما يحوسوش يلقاو حلول اللي تخدم الجميع هم يحبوا يحلوا مشكل بس زعما ما صارش تبهدله تاع التسريب وما صارش تبهدله باش ما يخلصش السوجي تاع الباك دونك يحبسوا 42 ولا 45 مليون جزائري وهذا في حد ذاته وهذا في حد ذاته تبهدله تبهدله اكزاكتومون تبقى تبهدله نتمنى انه كاش نهار يبداو يخموا باك يبداو يخموا ونقدروا نعاونوهم احنا في التخمام يعني نكتبوا لهم في صفحتي فيسبوك وهزوا وخلاص والله مي البروبليم سيكو البروبليم سيكو هما بالنسبه لهم عندهم هذه النجاسيه ايضا لانه في بعض الاحيان هذه عقليه النجاسيه في التعاطي في حلول يعني في حلول في حل المشاكل هما اللي يعرفوا كلش هما اللي يقدروا يحلوا كلش بالنسبه لهم تحت العباد للاسف نستعمل الكلمه هذه ذبان دونك جيري توجور لورجونس اي بيسي بو فوالا ميرسي بوكو لامي المغني شكرا لامي الله يسلمك بارك الله فيك ان شاء الله النجاح الكام والشامل لطريق نيوز بارك الله فيك ميرسي مع السلامه لامي المغني Med KH Raouitroul, le problème n'est pas la coupure, le problème c'est comment faire pour les obliger à nous dédommager, moi je trouve. Ah, nous dédommager de quoi ? Les coupures, t'as la semaine. Ya Hassara, le canapé. Ya Hassara. Le canapé, on a tenu que le dédommagement. خلي البربقطان وحن سمعوا مقطع موسيقي آخر قاصر جدا ونعود نقوله معكم. On est de retour sur le plateau de Radio M, le plateau de Marane Sakhtine. Dans ce numéro 96, on se rapproche doucement, mais très très sûrement de la centième. Où est-ce que la centième ? J'ai arrêté de compter. La centième, je ne sais pas. هاني نحسب في بلاصتك يا سيدي. أنا في 96 وقريب ل 100. واش نديرو في 100؟ ندير اون لابيل دابور. يا هل ترى نديرو نيميرو اوفير او بيبليك؟ نقولها ابخي ليميسيون. افيك نو حسينة كي يعني استاذة من الجزائر العاصمة. بونجور مدام حسينة. بونجور اخي مش راك لاباس بخير وشكرا راديو ام. صافا اختي الكريمة والله الحمد لله. اهلا حسينة. مازالكم ماكوش ساكتين. ما نسكت عندكم الحق يفو با جوستومون ما نسكتوش حنا حتى بالك يسكتونا ولا يسكتنا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله على الحق ما نسكتوش كامل ان شاء الله مدام ان شاء الله يا ربي ان شاء الله صافا انتم مدام لاباس ولا غير صافا ان بو ديفيسيل مع لي لو باك اي لا سورفيونس كومون سي باسي لا بروميير جورني ولا غير بلوتو بيان جو ديري وي Aujourd'hui, il y a eu l'arabia et l'arabia islamia. L'yom arabia, l'arabia islamia. J'ai eu comme filière les scientifiques. Oui. Donc, 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. Donc, ça va. Plus ou moins, ça va, alhamdoulilah. Il y a combien d'élèves en classe, madame? Il y a 20 élèves par classe. Et on est 3 surveillants, ce qui nous fait 23 personnes. Oui, non, tout le monde est avec la bavette, on a le gel hydroalcoolique. Oui. On a essayé de marquer la distanciation de d'une table de chaque candidat, une table à l'autre, parce que le lycée où je surveille en ce moment quand même les classes elles sont assez spacieuses. D'accord. Donc ça va, on a pu vraiment marquer l'espace malgré ils sont une vingtaine de personnes, mais quand même on a marqué quand même la distanciation blé table, yani d'un candidat à un autre, oui. Très bien. Où vous êtes trois.
la distanciation, n'a pas le téléphone fait d'achla. Ah, téléphone maître, c'est hors de question. Ils sont réquisitionnés à l'entrée. Wahed maître le téléphone ma. Est-ce que vous considérez qu'il y a suffisamment de surveillants par classe pour éviter et pour empêcher la fraude? Ou la largement. Donc la coupure d'internet est Karima, smhili, ana عندي 21 سنه قريبا ني داخله على 22 سنه خبره مهنيه. الله يبارك فيك. يبارك في عمرك. وفي مشواري المهني ما نكذبش عليك ما شفتش اساتذه ما شفتش بزاف اساتذه يعني ما عندهمش ضمير مهني لدرجه انهم في امتحان بكالوريا امتحان بكالوريا يخلوا التلاميذ ينقلوا ما كاش من هذيك ما كاش منها سي فري لي ديجا اغيفي مالوغوزمون في ان ايتابليسمون صرات ضجه هكا وصرا فايس هكا ماشي ملاح مي بصح والله العظيم سي فريمون تري 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 غار سي دو شوز كي ناريف با يعني سي ان بو سي ان بو ان مونك دو كونفيونس انفير انفير لي 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 انسيغنون لي ريسبونسابل دي سونتر لي ريسبونسابل دي كلاس Exactement, et le chef de centre, les enseignants, les SO Kamel, les je sais pas quoi, etc. Tout le monde est réquisitionné où ils trouvent le moins bon. Moi, je suis pas d'accord là, à l'idée qu'ils ont Internet au courant de la journée. Hein. Parce que vous n'êtes pas contre je suis contre. Ah, d'accord. ولا شي نحو هي باش ريزون والله ما انا الاحتياط تاعنا ناخذوهم في القسم لي لاتين بلا سيكوريتي وفي فويي ولي زيلاف وعندنا لا بوليس يخدموا معانا عندنا لي بومبي اوسي وعلاش يعني نحوها نو جو كوا كو سو كيل فو فير اون لو في او نيفو دي زيتابليسمون سو كيل فو انا نقول انترنت ينحو بالك في الليل Parce que c'est à ce moment-là où il y a eu, en général, il y a eu les fuites des sujets. Mais, oui. mais la journée, pendant l'examen, khlas, c'est bon, je ne vois pas où il y a eu. Mais dès son jeu, il y a un khlas. Exactement, tout à fait. Donc, je ne vois vraiment pas où elle a chez Dero. Il est ton athlète a fait classe, où il dit la fouille, mais l'ouel, ou le denia, ou le gars, ou. Je ne vois pas où elle a chez Dero Internet. Elle a un call, il faut aller là où il faut. ما يروحوا لوين لازمش ما يصراش لي فلي ولي فيت ماشي انترنت لي صاروا فوالا سامبلومون اون بليس اون بو بروي انترنت دو فاسون لوكال يعني اي سون انلفي انترنت بارتو دون لو باي سي ديسبروبورسيوني جو بونس سي ترو ديسبروبورسيوني لا لا بزاف يعني سي اكزاجيري اون بليس انا بوندون 5 جور je trouve que c'est beaucoup. يعني هكذا يحبسوا كاع الايكونومي تاع البلاد. Exactement, on est en 2020. Ouais, ماشي هكذا quand même. Que tu m'as 2020, tu seras quatre futurs. لازم الناس اللي مهمها انها تحرص على انه ما يكونش لا فويت دي سوجي هي اللي لازم يديروا فيها تسمى يكونوا دي جون على هوتور ماشي ماشي ان اوتر نيفو يمسوا حوايج كيما هادو اون بليس عبد المجيد تبون يهضر على لي ستارت اب تو كاين بزاف لي ستارت اب يخدموا تو لي جور وانا جو سي شو تري تري بروش دي ستارت اب دو بار مون ايميسيون دو وينغ دي زد Et, mais là, c'est, elles sont toutes pénalisées. Yani. Surtout en ces temps de confinement, ouais. Ouais. Oui, le télétravail prime. Donc, exactement. Ouais, exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Il y a plein de, yani, de choses qui se préparent yani, dans le domaine des startups et tout. Beaucoup de jeunes sont en train de bouger. Une tête coupée dans l'internet de façon complète. Oui, tout ça. Non. ماشي كلش سيغتو ا تولي نيفو حسنا وي نعم جميله ابو ماد راه كتبت لنا تحت لو لايف تقول لك دونك لا فويت دي سوجي اي بلوزيبل او نيفو دو لادمينستراسيون كو ديريي فو ا سولا بلوزيبل اون سي با شوفيني قلت لك انايا ما جي قلت لك جي جونتام ما 22ايام اني اي والله غير ما شفت هاد الحوايج في لي زيتابليسمون سكولير لا في دي سوجي على بالنا شكون كان يخرج لي سوجي قالك اي سي فري بالك صرات مع بالك صرات انا ما شفتش انا حاجه اللي ما شفتهاش ما نهضرش عليها يقولوا نسمعوا سمعناهم كلش دايوغ مي بصح انا وحده ما شفتهاش بالك تكون صرات في كاش ايتابليسمون واحد عنده اي اونكور نو مش كنت كاين ليسكورت يا اخي كاين ليسكورت مدام انا مالي انا ما شاف دو سونتر دوبي تري دوبي بليزيور زاني Donc à chaque fois il joue des motards maintenant il est à 4 à soir ou depuis le moment où elle est avec les sujets elle ne quitte plus mais elle a le droit au téléphone tu es confinée tu peux même pas ouvrir le
sac. Elle ne peut même pas ouvrir le sac, donc ouais, c'est... Bien sûr, c'est interdit. C'est pas possible, les gars. Ils l'ont fait la classe elle-même, ils l'ont une des classes, exactement. Avec des témoins, des... que ce soit des enseignants ou là, des élèves et tout. Exactement. Et d'ailleurs, à la banne, nous, comment est-ce qu'on sort les sujets, dans quelle année, ou comment est-ce qu'on sort, à la banne, blâme. Comment est-ce qu'on sort, exactement, blâme, on jette d'eau. Il faut être le fort, le fort, le fort. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis que les gens ne sont pas là où il faut. Mais je suis pas là où il faut. Pas. Mais je suis là où il faut. Mais je suis là où il faut. Mais je suis là où il faut. Quoi qu'il arrive, tout à fait. Non, il faut revoir ça. Il faut revoir ça. En plus, tu m'as sanctionné le bled pendant une cinquantaine de cinq jours, quand même, c'est pas rien. C'est toute une semaine, il حق بها الويكاند. ما كاينش من هذه كاع على بالك في واحد البلدان ساعه تاع كونيكسيون ان بو انجندري تاع كوبور دانترنيت بو انجندري دي مليار اي دي مليار دو اي لا جي الفانتوم جي بلان دو فانتوم دو بيرسون كو جو كوني كي سون لا اي كي مي ديز كي مي شوشوت ا لوراي ايز اون سانكسيوني لو باي بوندون 70 ans pourquoi il le ferait pas pendant 5 jours merci beaucoup madame Hassina je vous en prie y a pas de quoi merci beaucoup ربي يحفظك اي سلمك يعيشك شكرا حسنا يلا بون كوراج وما نسكتي ما نسكتي ما نسكتي ميرسي مدام حسينة تعيشي يسلمك يعيشي يا ربي يطول عمرك مع السلامة يسلمك تاني باي باي بالسلامة باي باي نفكروكم بلو سونداج لا كيستيون دو جور كو جو ن روتروف با عطيو لي 5 سكوند نعطي لكم لا كيستيون دو جور تاع لو سونداج باش تقدروا تفوتي فو فوتي تحت بوركوا يوريتيل ماشي ياتيل كيما قال زهير لو كونديسيونيل يو بوركوا يوريتيل اوتون دو فرودور ا ليكزامان دو باك دونك بروميير بروبوزيسيون او بروميير ريبونس ا كوز دي نوفيل تكنولوجي او لو باك نو فو بلو ريان ترويزيام بروبوزيسيون لي سورفيلونس سون كومبليس Ou sinon, la fraude est devenue une valeur sociétale. وبهذا نكون قد أتممنا عليكم الشوط الأول من مران ساكتين من هذا من عددها 96 وتلتقوا بزميلتنا أميرة بوجمعة في الشوط الثاني بعد بضع ثواني فلا تذهبوا بعيدا. صافا كيما لي باك لي فاتو كيما Rien de spécial, mais le naval. Ça fait 7 mois que je suis en train de faire. C'est pas facile de travailler en confinement. Non, là, là. Je ne sais pas si je suis en train de faire. Le canal de téléphone, c'est pas possible de copier. Si je suis en train de faire, c'est kiff. Qui est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Qui est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le canal de téléphone, mais je ne sais pas. Il est en train de faire un branche. Tu as fait le bac à l'heure? كما يقولوا الانسان راح يجوش الباك ما يجيبوش واقع لازم يقطعوا انترنت لازم دبر راسك لازم وسقيت هذا العام وسقيت هذا العام عام كما يقولوا عام كومبلي انت دبر راسك ما دير باك هذايا لو كنت ولا ما لقيتش عام كامل وتحمتي بالباك ويقولك انترنت ام قطعونه هو ماذا بيجي ماذا بيكوبي وي حاجه مليحه كي يقطعوا الانترنت بونيدي باسكو هادي الانترنت يسرا ولا فايس كاين اللي غش وكاين اللي كدايا كي شافوا بونيدي داروا عفسه مليحه هادي الصبح هادي لمسين بوندون دلي بوليس بوند فاش كارت وكندي كوادركش من واحد 10 دقائق المسيل سمعت حدايين بوليس ذات البوليس اي بو داش كان الكمامات زعما دير لا كاميرا اكن نتبص اكن تدخل الناس تحيا الجزائر جديده ورا الناس تجي دير جديده نتبول ندخل لنا واحد 10 دقائق صرت نبدا لك الكمامات كنت قد بوليس ناس ما داير ما داير راحت اللي غاسي تي طابون ولا تكمي كوارد اللي جا ما تكم اذا قاد سبعه غتسولهم كل شارده اي بان قدام دار الطوموبيل بيب الحاجه والله بيب واش ساكت هكا عاوده مجددا اللي ما راناش ساكتين جيسبر كو الميكرو اي ميور كو Le premier, بدلنا le micro parce qu'il y avait des problèmes de son. عاود ابو جدد اللي ما راناش ساكتين اليوم c'est le bac, اليوم c'est les coupeurs d'internet, اليوم اكثر من 673538 مترشح وطنيا راح يجوز لو bac. 2020 بكالوريا يعني اكسبسيونيل, اكزام اكسبسيونيل تلاميذ او يعني المترشحين ما قراوش depuis mars 2020
حدث بيداغوجي استثنائي. اتصلوا بنا على 021-78-24-45 قولوا لنا كيفاش جوزتوا نهاركم اليوم بلا انترنت. قولوا لنا الى تخدموا في مجال وين لا كونيكسيون انترنت اي انديسبونسابل. دونك قولوا لنا اسكو سولا فوزا بيناليزي او با. احكيوا لنا قولوا لنا اسكو راكم مع ولا ضد قرار قطع الانترنت. سقسيتكش ضد ولا مع قطع البكالوريا. وكما قال زهير أبركان، هل للبكالوريا معنى في ظل انقطاع الانترنت؟ معنا اول اتصال للجزء الثاني والشوط الثاني لعدد اليوم. سليمة عبادة لاستاغ. سليمة عبادة اهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسام في تو دغول نهضر معكم في التليفون باسكو جي لامبريسيون خرجت من غروت تقولنا الانترنت سي جوك سي سا. سليمه لامدون دير طالي والله واش نحكي لكم لا جورني كيفاش جوزتها سي تو بلي لا جورني تاعك بلا لا كونيكسيون. انا جوزاف تروتوار ميكرو تروتوار مع لي زونجي. En fait, j'ai découvert que j'avais une petite sœur, que j'avais une famille, que mes colos, et j'ai l'impression que Gadjouz Zelbak, le chef de Zéry Gadjouz Zelbak, en fait. Oui. مشيره les terminal franchement le hebla parce que فكرتها البارح et puis nous صباح بكري donc j'avais internet et tout normalement en fait quand je me suis reconnecté لقيت الحياه حبسه donc عبك حتى ولينا التليفون et des fois même le téléphone ne passait pas donc c'est à ce point genre on a l'air un degré de même les appels ne passaient pas, même les appels téléphoniques ne passaient pas, qu'il y a une, même sur le réseau qu'il y a un problème. Touraya, je suis tout le téléphone Touraya, satellite, avec ta bug, pas de dîner. Exactement, voilà, on avait l'impression d'être Kamel Mjit Sahara ou je ne sais pas, franchement, sur la planète Mars. Oui. Et c'est déjà, comme. On refait les mêmes pratiques au lieu de trouver des solutions pour la tricherie au Bakoula. C'est les solutions. Pas facile parce qu'elles sont faciles pour eux. Moi, je suis radicale. Radical, voilà, c'est exactement ouais. ça. C'est le mot radical. Parce que moi, je suis certaine que même je me drôle à Internet. Ouais. Donc, ce qu'ils font, ils disent à Abdel Halim Khalsino, ils disent à Abdel Akhla, ou qu'ils me disent qu'on disait tout à l'heure. On a même imaginé à quoi il ressemblait pour te dire, Salim. J'ai imaginé à quoi il ressemblait. On peut pas. C'est un homme déjà, c'est bien, c'est pas une femme. C'est pas une femme, c'est ouais. Si c'est, ouais, les femmes, elles sont plus logiques, je pense. C'est sûrement un homme. Hamza n'est pas sexiste du tout, ça c'est très bien. Non, je ne suis pas sexiste. Ah, ça, moi je le sais. Salim Abada Kolili, tu fais partie du comité de soutien aux journalistes Khaled Alami, parce que oui, il faut parler de Khaled Alami, on ne l'oublie pas, on essaye de l'aborder à chaque émission ou à chaque épisode. Vous avez fait une performance avec le comité. Est-ce que la connexion ou la coupure de connexion a pénalisé cette performance ou la compagne en général? Toute la communication autour de Khaled Alami, vu que l'échéance est dans deux jours. Quoi. Mm-hmm. Exactement, c'est exactement ça. Après, on a pensé aussi, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le sitting de demain à 12h30. La maison de la presse Tarja, et c'est oui, là oui. où il y a plus des lives en fait où il y a des lives qui vont être transmis oui. Donc on y a pensé tout à l'heure, on s'est dit est-ce que déjà les lives de demain vont passer ou la lazm fina wahta d'ailleurs je sais pas où j'ai entendu redouar riyadiyat ou la tarikh jghrafia hatta yjouz ou enfin voilà c'est pénalisant oui mais après bon amit lqouha quoi à partir de 18h doka et ça va aller jusqu'à jeudi ce qui est prévu oui, 17h30 18h ouais jusqu'à oui, jeudi bah, au-delà de ça franchement au-delà du comité au-delà de tout ça moi la pensée elle va Khaled plus dans le fait que enfin qu'il soit c'est Mona oui. qu'il soit sans internet sans son téléphone sans le parce que c'était son moyen de avec lequel son outil de travail donc c'était le moyen avec lequel il travaillait donc j'ai eu une grosse pensée pour sincèrement pour Khaled parce que le téléphone sans internet ou l'ordinateur sans internet c'est vrai que Salim Abada si tu permets son contact avec le monde extérieur c'est encore pire que au-delà de ça exactement oui, oui. Exactement donc j'ai eu une plus grosse pensée parce que Khaled, on passe la journée avec lui, on dort en pensant à lui et tout. Mais là, c'était encore plus parce que voilà, on avait l'outil qui était le téléphone et qui servait plus à rester en contact et puis à travailler aussi parce qu'il ne faut pas oublier toutes les sociétés qui travaillent avec Internet. J'ai parlé avec des amis qui n'ont même pas pu ouvrir leur boîte mail. Oui. C'était notre cas ce matin. Et puis, n'oubliez pas, et on leur dit bravo, alors le jadida, quoi. C'est ça, en fait. Avec les mêmes pratiques. C'est ça. Mm-hmm.
Exactement, c'est exactement ça. Les pertes, hein, j'ai envie de savoir, les pertes, enfin, ça doit être faramineux, des sommes faramineuses qu'on perd tous les jours. Je pense qu'ils s'en foutent, hein. Franchement, je pense qu'ils s'en foutent. Wallahi l'azim. Ana douk wach rani hba na3rf fik nta bwach men mou3adel rak hadjib el bac Hamza. Nti Amina bwach men mou3adel wna wach raki hba tkhdmi mbaad wach raki hba dri medecine wla bi qolt lkom bli ana ka3a naoudou fi el bac. Oui. Donc wallahi l'azim. Khdemt mlih lihom Hamza. Franchement, tarbiya islamia j'ai cartonné. D'ailleurs, j'ai eu la meilleure note. Et c'est même pas un troll, hein, j'étais super fort en tarbiya islamia. Et ma année, ma meilleure note fil bac, c'était tarbiya islamia 17,5, s'il te plaît. Ça veut dire que tu aimes tahfdo. Non, 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 je sais pas, c'est elle était spéciale cette matière, je sais pas. Comment elle a salé ma tête. Comment elle a خلاص. Quel pas la salé ma quel ijtihad, ne t'insage l'ijtihad في الدين. Bah oui. Vraiment oui, franchement, il y a pas plus important que l'ijtihad et je suis d'accord, mais d'accord avec vous sur ce point. Et c'est comme il faut pas le oublier de le répéter, surtout fait de l'ouk, l'hali ta'na. Oui. En fait, oui. Comme il faut le fahm, il faut le fahm. Exactement. En tout cas, Rabbi dit le khair et puis grosse pensée à Khaled, où Inch'Allah, Inch'Allah, nous sommes le khair. Parce que je vais redire encore une fois, au-delà d'emprisonner un journaliste comme Khaled, c'est toute une génération qui est en train de mettre en prison et c'est tout ce que ce gouvernement n'a pas promis parce qu'il a promis beaucoup de changements et c'est tout ce qu'il n'est pas en train de faire. Donc cette nouvelle Algérie est en train de mettre ses enfants en prison. Voilà. Merci. Merci Salima Abeda. Kemerkolo, liberté à tous les détenus d'opinion. Liberté, liberté, liberté. Liberté, exactement. T'as l'offre, Wahkoum. Merci Salima, toi aussi. Je suis always a pleasure talking to you. Je suis pressée d'apprendre de bonnes nouvelles. Hein. C'est dans deux jours, le verdict. Inch'Allah, ça serait. T'imagines? Inch'Allah, mazalla. Mazalla daïman ala. À la Sakhtin, studio hein. Radio M. Ton émission s'appelle Marana Sakhtin. Marana Sakhtin, à la Bali, merci. Mazal Nadim, à la Sifra Hdashin, Tilly Espagne, Arba Ashrin, Khamsa Warbein, Chahrazi, Tkoulna, Nachat. D'accord, Nachat, Raïla, c'était un échec. Merci beaucoup, Amélie. 18h. Bla Connexion, Harkamel, Mardin, je vais prendre les boîtes mail. 18h35. Nachat. Donc partagez le live باش يلحق الاكبر عدد ممكن اي سورتو عيطوا لنا حكيوا لنا كيفاش دوزتوا نهاركم بلا لا كونيكسيون انترنت قولوا لنا سي فوزيت بور او كونتر لي كوبور انترنت كوم سوليوشن بور امبيشي لا فرود لي تريشور دو تريشي Shot. Ain't about the money, it's about the principle. Yeah. Only roll with a chosen few. Ooh. Gunshot. The D nigga nowadays, way too funny. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. The D nigga nowadays, way too funny. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. On the trigger, nigga, long gun. If you a bitch, then you listening the wrong song. I'm surrounded by them killers, then go hard one. No joking, we get money, we smoking. Yeah, yeah, yeah. 30 rounds, reloading. Yeah, yeah, yeah. And the drama, we for it. Yeah, yeah, yeah. The defect niggas are so predictable. Yeah. That's why I don't fuck with you. Gunshot. So the street trapped in a mix. Couldn't afford a trap drug dealing out the crib. All I ever knew was to get it how I live. And no choice to get the dope up, dope up, dope up. Now I'm that nigga when I roll up, roll up, roll up. Big bank rolls, they can't fold up, hold up, hold up. Bank rolls, they can't fold up, fold up. Yeah, yeah. I was in a field in them streets, where you can get killed in them streets, even when you keep it real in them streets. Fresh out the box, all my niggas are gangsters. All my niggas are gangsters. But I changed my life years ago. My life years ago. Thank God every day that I flipped a new chapter. Flipped a new chapter. Where I'd be today, I don't know. Where I'd be, I don't know. The defect niggas are so predictable. That's why I don't fuck with you. Ooh.
shot. The D nigga nowadays, we're too funny. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. The D nigga nowadays, we're too funny. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. Step aside if you ain't got no money. Hadi Amira Bucumay'da takmışı ne ulaman. Oh, Jenna Fourier. Bon, bref. Un peu terrible. On est live, Amira, on est de retour. Ah oui, on est live. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de Farid Malasima. Ahlan Farid. Ahlan Bikoum. Bonjour Farid. Vous gérez une compagnie d'assurance. Racontez-nous un peu racontez-nous un peu votre journée. Est-ce que la coupure d'internet vous a pénalisé ou pas? Alors, en charge de la partie communication, effectivement, que je dirais que la coupure d'internet nous a un peu handicapés parce que nous n'arrivons pas à interagir avec nos clients sur la partie digitale, donc les réseaux sociaux. Et donc, ça nous handicape grandement parce que on peut plus répondre aux doléances, ni publier. Mm-hmm. Je dirais que le phénomène est vraiment handicapant parce que ça ne dure pas une journée, ça dure 5 jours. Oui. C'est ça le problème. C'est que, et même certaines entreprises qui sont actuellement en télétravail n'ont pas pu organiser des visioconférences ou des appels en call conférence avec leurs collaborateurs pour la simple et unique raison, c'est que le réseau soit un peu perturbé ou du moins qu'il y a des restrictions. Une petite estimation des pertes que peut engendrer la coupure internet, Farid, vous que vous gérez une compagnie, donc je ne sais pas si vous avez une réponse, mais je ne cherche pas un chiffre, mais plutôt une petite estimation. Du moins dans le domaine des assurances, un petit pourcentage. Dans le domaine des assurances, elle n'est pas, je dirais, elle est minime parce qu'on reste quand même, nous avons un réseau interne qui fonctionne avec Internet, mais qui n'est pas, je dirais, perturbé à 100%. Je vous dis, ce qu'on appelle un réseau intranet. Exactement. Le système est connecté directement au siège, donc oui. On n'a pas forcément un impact. Sauf que quand il s'agit de prendre en photo des voitures de clients pour renouveler, le rapport n'est pas généré automatiquement. D'accord. Il y a une coupure, il y a une perturbation du débit ou de l'internet ou de la connectivité. Mmh. D'accord. Merci beaucoup, Farid. Mais ces questions-là, vous devriez les poser aux opérateurs qui sont censés vous dire combien de millions de dinars. Je pense que c'est un peu trop tôt pour avoir des chiffres et des statistiques. C'est la troisième année, oui, c'est pas la première année. Exactement, ils peuvent vous donner un aperçu sur les pertes engendrées durant les exercices précédents, les années précédentes. Oui, oui. Mmh. Moi, je dirais que à tout problème, il y a une solution. Couper Internet à des millions d'utilisateurs, c'est un peu abusé. Oui. Il y a d'autres solutions qui sont plus efficaces, mais qui nécessitent une organisation. Et l'objectif, c'est de retirer tous les téléphones à l'entrée des écoles. C'est ce qui se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà. Donc, d'où l'incompréhension. Ou sinon, organiser les coupures, c'est-à-dire au lieu de faire une coupure qui dure toute une journée, cibler. Faire la coupure durant les deux premières heures de chaque épreuve, ou une heure et demie. Non, mais il y a des brouilleurs, on peut brouiller localement Internet, c'est très facile. Le problème, le brouilleur, son coût, il est excessif. On aura Farid Farah. Est-ce qu'il est plus excessif que la coupure globale d'Internet dans le pays? Je ne crois pas. C'est la question à laquelle va poser Farid Farah. Le brouilleur, il est coûteux. On revient juste quelques années en arrière. Oui. L'ancien Wally d'Alger, oui, avait mis en place les brouilleurs, mais il en avait distribué 50. D'accord. 50 brouilleurs, ce n'est pas 50 écoles. 50 brouilleurs, c'est à peu près 50 classes. Ah. Un brouilleur sont utilisés au jour d'aujourd'hui les mosquées pour brouiller les sonneries, etc. Mmh. Mais les brouilleurs ont un périmètre. Ils peuvent couvrir une superficie de 20 mètres carrés, de 30 mètres carrés, pas un établissement, par exemple. D'accord. Donc,
c'est lourd comme investissement. Un brouilleur, c'est lourd comme investissement. D'accord. Merci beaucoup, Farid. Je vous en prie, bon merci, courage. Merci, au revoir. Bon courage, bonne journée, bonne fin de journée, merci. Salam. Bonne fin de soirée, peut-être, je dirais. Il est 6h35 et non pas 14h. Ouais, mazal la journée, mazal. Oui, mazal. Si la journée était finie, on a la l'émission chance d'avoir de longues journées. Aurait été finie. En septembre. Oui, on a deux minutes. Mazal la daïmen à la maranage sectin. Nalohou, une petite pause musicale, on a deux minutes. أكوغر تعودوا ترجعوا لنا بلا ما تقولوا لنا سي جميلة عودنا مجددا لي مراناش ساكتين معنا اتصال من عند فريد فرح أهلا فريد فرح أهلا بكم يعطيك الصحة بالمشاركة على بالي بلي كان عندك على بالي بلي كنت مشغول اليوم يعطيك الصحة على هذه المشاركة حبينا برك نسقسيوك على بالنا بلي نتايا اكسبير اون تي سي اي فوز افي بارلي دي برويور كي ان بو سيبل لي كوبور دانترنيت احكي لنا شوية على هاد لا سوليوشن لي برويور وي لي برويور سون تيتيليزي بور امبيشي لي كومونيكاسيون الكترونيك ماشي غير الانترنيت communication électronique dans une superficie bien précise, bien sûr pour des causes qui doivent être justifiées d'un point de vue juridique, bien sûr, dans des endroits où la personne ne devrait pas être perturbée par une communication électronique. On a installé des brouilleurs dans des endroits sensibles, comme les zones militaires, comme les mosquées, comme les salles de cinéma, voilà. Donc, est-ce que c'est la seule solution alternative ou est-ce que c'est la seule alternative à la coupure Internet? Ah, vous voulez parler de Internet, la coupure d'Internet à cause de la fraude de l'examen du bac, oui, tout à fait. Bon, du bac ou les examens scolaires. Oui. Bon, si vous voulez mon avis... personnel, déjà, le fait de... D'abord, il faut définir le concept de couper l'Internet. Parce que l'Internet, c'est pas un interrupteur hein, qu'on éteint comme la lumière. Parce que couper l'Internet, c'est... Si j'utilise le concept universel, c'est de faire une interruption intentionnelle de l'accès aux données issues l'accès aux données dans les serveurs via Internet. Voilà, ça peut se répercuter par carrément absence d'accessibilité ou bien accéder dans des conditions vraiment insupportables, c'est-à-dire une lenteur terrible, une congestion de réseau, un ralentissement de l'affichage des données, etc., etc. Voilà. Bon, bien sûr, personne ne peut dire que je vais couper l'Internet pour éviter la fraude à l'examen du bac, mais des pays, ils sont pas beaucoup dans le monde, ont recours à cette solution pour veiller au bon déroulement du bac. Voilà. Ils sont pas nombreux, c'est-à-dire vous en connaissez d'autres ? Autre que l'Algérie ? Il y a récemment l'Éthiopie, l'Irak surtout. C'est le premier pays qui a commencé à adopter cette solution. Il y a la Tunisie, mais la Tunisie, ça dépend. Il y a des pays qui optent pour une coupure générale du monde. L'Éthiopie et l'Irak, je comprends. Yann, c'est des champs de ruines. Donc, bon, l'Éthiopie, non, mais l'Irak, oui, quoi. Enfin, la Tunisie a opté pour une solution d'essayer de ralentir la vitesse de l'Internet dans les espaces proches des centres d'examen pour essayer d'empêcher les fraudeurs de partager massivement des solutions de sujets. Mais moi, dans cette situation, ce qui vraiment me désole, c'est que, encore une fois, en 2020, on a recours à cette solution, c'est-à-dire... Ce recours à cette solution montre clairement que les autorités n'ont pas trouvé d'autres alternatives. C'est-à-dire trouver d'autres alternatives ? Ben, vous savez, je ne sais pas pourquoi faire le lien entre le déroulement d'un examen et les ondes électromagnétiques.
Bah, si, si, parce que je ne sais pas, est-ce que les autorités du ministère de l'Éducation veillent vraiment avec efficacité pour veiller au bon déroulement de l'examen. Si un sujet s'affiche sur Facebook, je ne sais pas, 5 minutes après le début de l'épreuve, c'est quand même bizarre. Avoir des candidats aux épreuves qui rentrent malgré les contrôles multiples avec des terminaux, avec des smartphones ou avec des tablettes, c'est quand même, je ne sais pas. Non, c'est plus possible. Cette année, non. Cette année, il y a eu Comment arrive-t-on à faire afficher un sujet d'examen sur les réseaux sociaux? Parce que c'est déjà arrivé à Damakan, mais après l'affichage du sujet en question. L'affichage du sujet en question, c'est Salat la veille, Yannick. Nahar Salat, il y a quelques années de cela. Donc, il y a deux ans. Moi, je parle de cette année. Je pense qu'il y a eu, une tricherie au niveau de BM, je crois, à l'épreuve de l'arabe, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais l'essentiel, dans le fond, est-ce qu'on est pourquoi lier le déroulement d'un examen au fonctionnement digital d'un pays? Et en effet, vous nous dites qu'on est en train de cibler le mauvais problème, c'est ça? On est en train de supprimer le problème et de ne pas le solutionner. Oui, oui. Farid, voilà. Est-ce que vous pensez que les couper Internet peut-être nécessite moins de coûts que les brouilleurs? Non, je ne parle pas des brouilleurs. Les brouilleurs, est-ce qu'on doit mettre un brouilleur par centre d'examen? Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres, mais quand même, c'est une solution. C'est une solution. Coûteuse, peut-être. C'est une solution. On peut même demander aux opérateurs de la téléphonie mobile de baisser leur champ électromagnétique dans des endroits où les centres d'examen sont massifs. C'est pas à moi de trouver des solutions, mais ce qui est désolant, c'est que couper Internet chaque année, depuis maintenant combien de... Depuis 4 ans, 5 ans. C'est la quatrième ou la troisième année. Voilà. Couper Internet, pour moi, c'est une chose qui est désolante. Et c'est pas peut-être une solution facile. Non, je vous ai dit, c'est la suppression du problème. Voilà. Et non pas les causes du problème. Ils auraient pu, je ne sais pas, ils auraient pu faire de la coopération avec les propriétaires des différentes plateformes sur lesquelles. Parce que ce matin, ce que j'ai remarqué, il y a eu Facebook qui a été filtré, c'est-à-dire bloqué, mais l'Internet n'était pas bloqué. Mais aujourd'hui, ça dépend des endroits. Il n'y avait pas Internet, Kamel. Moi, je parle de la connexion ADSL, donc Jawab, d'accord. Le Wi-Fi. Au départ, on pouvait consulter nos emails, mais accessibilité à Twitter ou à Facebook était impossible. D'accord. Et quelques minutes après, c'est carrément aucun accès à Internet. Ça veut dire que les fraudeurs ont dû peut-être utiliser d'autres plateformes comme Viber, par exemple. Et là où ces plateformes, on ne pouvait pas effectuer un filtrage, donc les responsables ont eu recours directement au shutdown, total shutdown, shutdown pendant le déroulement des épreuves, ensuite débloqué, ensuite bloqué, jusqu'à la fin de semaine. Voilà. Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'on peut dédommager les personnes, les sociétés qui subissent les conséquences, qui ont besoin d'une connexion qui doit être ininterrompue, c'est-à-dire les sociétés et les ménages, hein, Farid Farah, parce que je dirais les sociétés et les ménages aussi, parce que quand on paye un abonnement pour 30 jours et on n'a pas 7 jours de connexion, on mérite un dédommagement. Oui, c'est la loi du commerce, voilà. Oui, tout à fait. Mais je vous ai dit, le vrai problème, c'est comment couper
le lien entre les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les réseaux de télécom, et le déroulement d'un examen. Mmh. Voilà. Merci comment beaucoup, couper Farid ce Farah. Lien oui. Oui. Merci beaucoup, Farid Farah. دوريان ميرسي اوفوار مازلنا ولا لحقنا لنهايه عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين لي ريزولتا دو سونداج سون سورتي لا كيسيون دو جور ايتي pourquoi y aurait-il autant de fraudeurs à l'examen du bac la plupart des votants c'est-à-dire 73% on pense que la fraude est devenue une valeur sociétale 11% ont choisi ou pensent que c'est à cause des nouvelles technologies 11% encore choisissent le bac ou choisissent la deuxième proposition, la deuxième réponse qui est le bac ne vaut plus rien et 5% des restants ont opté pour surveillant complice. Anis Hamza Soulouch. Naam, c'est moi, oui, bonjour. Mais ça c'est Techliyoma, qu'est-ce que tu as la journée ta Qu'est-ce que tu as pu te connecter à ton réseau Facebook préféré, ton réseau social préféré ou pas C'est pas du tout mon réseau social préféré, oui. Facebook. Je sais pas, hein, je pense. Ouais, à un moment donné, enfin, mon Facebook a été déjà bloqué, tu vois. Qui m'a dit le واحد انسان سينيور, كلاني سينيور le méchant monsieur هذاك اللي غلق لك اللي qui est derrière ouais, qui est aux commandes. D'habitude, il y a je crois 10 jours de cela, donc et j'ai fait ma petite enquête on m'a dit que voilà, que ça venait d'eux. Donc voilà, mon Facebook a été bloqué. Parce que je dis parfois 2-3 trucs qui peut-être dérangent. Hein. Même s'il y en a pour moi, je fais je fais de la poésie urbaine parfois, mais voilà. Donc mon Facebook n'existait plus. Enfin, il existe, il n'y a que mon Messenger qui existe. Mais voilà, j'ai été viré de ce social media. De cette communauté. Mais sinon, le reste de la journée, j'étais avec toi, micro trottoir. on s'est tellement bien amusé, Luma. Franchement, oui, à chaque fois, c'est un réel plaisir. Et voilà, les Algériens, les Algériens, les Algériens nous le rendent bien, j'ai l'impression. أتكم صح أنتم اللي شتونا اليوم أو اللي شاركتوا معنا في عدد اليوم اللي ما راناش ساكتين pardon Amira mais bientôt je vais bientôt il y aura un nouveau Facebook Anis Hamza Chlouch les مواصلات المتالبة بإذن الله خلاص كملت لا بوب كملت لا بوب سيتي لا بوز بوب حمزة شلوش و سون فيسبوك نخليكم في نهاية عدد اليوم نذكركم قبل ما نخليكم في نهاية عدد اليوم نذكركم انه ما راناش ساكتين راح تعاودوا تولي لكم بثلاثة ونهار الخميس على الخمسة ديال العشية راح نحاولوا نطلعوا عليكم كي تكون ولا كي تتحسن لا كونيكسيون انترنت كي تعاود تولي لا كونيكسيون انترنت دونك على فان ولا ابري لي ايبروف du baccalauréat. Donc on relie comme à une vidéo de 30 secondes qui est une action symbolique de solidarité des étudiants avec Walid Nkrish qui est emprisonné depuis le 26 novembre 2019. Comme Saha Salam. حرروا المعتقلين حرروا المعتقلين حرروا المعتقلين